Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode. On s'était quitté dans la mission numéro 7, Réunion. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'avant si vous en souvenez pas. Donc j'ai voulu sauvegarder et d'un coup ça s'est vite relancé. Donc je vais vous dire les derniers mots. C'est nous avons 5 as et après on va découvrir. Depuis celui de Meridian, 11 colonies ont été touchées. Il faut que ça cesse, maintenant. Le veilleur a confirmé la théorie du docteur Halsey. Cortana est en train d'activer les gardiens. Mais pas celui-ci. Pas pour l'instant. Sanayon. Un site religieux précovenant sur Sangelios. Il y a un gardien sur la planète des élites? Si on déploie une équipe au sol, nous aurons accès à ce gardien. Sangelios est chasse gardée. L'état-major refuse de se mêler à la guerre de l'arbiteur. Ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas encore le plan que j'ai mis au point. Ce bruit est un signal numérique codé. C'est de la téléportation quantique. Les coordonnées spatio-temporelles d'une carte Forerunner. Si l'équipe de Locke transfère les coordonnées extraites sur Meridian au gardien, il les mènera directement jusqu'à Cortana et au Major. Tom, on peut arrêter ça. Mais ça implique d'aller sur Sangelios. Je vais arranger ça. C'est bien. Ok. Mais bon, j'aimerais bien jouer Master Chief aussi, là. Parce que bon, le voir côté méchant et tout, c'est bien, quoi, mais bon. Ouais. Ah, enfin. En voilà un autre. Major, qu'est-ce que fabrique Cortana? Pourquoi nous avoir amenés ici? On continue. Alors le mec, il te parle énormément quoi. Genre, salut Major, ta gueule. Putain. Plus de respect dans ce monde. Ok Major, il n'y a que lui qui a cette arme de couleur verte. Silence radio sur toutes les ondes. Je n'ai aucune liaison distante. On peut marcher là. On nous a pas fait venir ici par hasard. Cherchons par là. La console s'est allumée à mon approche. C'était quoi ça? Ça venait de la console. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas utilisé ce signal? Ah mais ils sont dehors, je peux pas sortir. Cortana. Cortana, vous me recevez? Ok, son TP, pas de soucis. Mais tu vas me laisser passer Cortana, putain. C'est quoi cet endroit? Une planète Forerunner. On n'en sait pas plus. C'est putain de stylé par contre. Qui nous a fait venir. Elle est quelque part dans le coin. Major, souviens-toi de Meridian. Ça a été un vrai massacre. Et il y avait des civils. Je sais. Elle ne savait peut-être pas ce qui allait se passer. Et si elle l'avait su? Il faut d'abord la trouver si on veut en savoir plus. Cet endroit est incroyable. Ça fait froid dans le dos. Le résultat de ces analyses ne s'apparente à rien de connu. Il s'en dégage un sentiment de perfection formelle. Comme si c'était artificiel et organique à la fois. Halsey serait déjà en train de faire des prélèvements si elle était là. Elle aurait aussi déterminé les coordonnées exactes de cette planète. En accédant à la console, on a activé cette grande structure. À en juger par le signal qu'on a entendu, elle serait par là-bas? Possible. Bon les gars, j'explore un peu. Il y aurait un élite. Qu'est-ce que les Covenants fabriquent ici? On se prépare équipe bleue. Ah, je le sens mal les gars. Je dis direct, je le sens pas. J'ai pris ça pour le corps à corps, pour le plaisir. Ils sont où? C'est bizarre que Cortana nous a amené là et alors qu'il y ait des ennemis. Ok les gars, hop. Dan 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 d
Ok, il est mort. Bien joué, les gars. C'est bon. Enfin, je rapproche un peu le micro. Voilà, ici. Ils ont l'air désorientés, comme s'ils venaient de débarquer. D'autres ennemis, tenez-vous prêts. Ça m'intrigue. Je n'ai jamais bossé avec une IA. Enfin, pas comme tu l'as fait avec Cortana, en tout cas. Comment ça fait d'entendre sans cesse sa voix dans ta tête? C'est indescriptible. Mais encore. Super langage. Ça doit être fun à force d'être avec lui. Zeb, ils me font mal là. Ouais, c'était lui qui faisait mal. Ok les gars, donc maintenant on va aller vers là. Elle est où la structure? Ah, elle commence à être juste au-dessus. On va aller vers là. C'est quoi ça? Le démon quoi. Je suis là pour vous hanter. Elle peut pas envoyer les gros robots les défoncer là. Ouah. Manque un peu de balles. Plus du tout même. J'avais plus du tout. Hop, on va prendre ça. Ok, toi tu commences à faire chier un peu. C'est bon, il est parti, hop. J'ai vu les tourelles, ok, on va se cacher. Hop, je vais avancer. Je sais pas s'il peut me toucher. Non. Je suis passé. Un en moins. Je fais ça pour vous, les gars. Oh non. Il n'y a pas quelqu'un? Oh non, on est mal là. J'ai besoin d'un coup de main. Je suis là. Non, on est sérieux là? On s'est fait déboîter. On s'est fait déboîter. Bon. C'est bon. Que font les convenantes par ici? Ils ont l'air désorientés, comme s'ils venaient de débarquer. Ça m'intrigue. Je n'ai jamais bossé avec une IA. Enfin, pas comme tu l'as fait avec Cortana en tout cas. Comment ça fait d'entendre sans cesse sa voix dans ta tête? C'est indescriptible. Mais encore. D'autres ennemis, tenez-vous prêts. Bon, j'espère qu'on va pas remourir. Alors son arme, elle m'intéresse à lui là-haut. Il est mort où? Pas aussi haut, ok, il est mort juste en bas. Ça a été ça, la carabine. Non, c'est... Ouah!
Mais quel problème? Allez, venez, les gars. Oh, j'espère qu'on va pouvoir déboîter les deux grosses tourelles avec ça. Ok, allez-y les gars, avancez. Bon, j'ai oublié d'utiliser ça. Ah ouais, c'était à ce moment-là, ouais. Mais ils sont sérieux, ils arrivent pas. 30%, ok, maintenant on va là. On prend cette position. En position. Vas-y les gars. On va passer par là nous. Surprise. Ça fait un kill les gars, un kill ou une tentative. On tente qui? Je crois qu'il est mort. Sérieux là? Attendez, là il n'y avait pas un dépôt d'armes par hasard? Il était où celui d'en face? Ok, toi en moins, hop. Il est où la tourelle? Ok, elle a été pétée. Pas très mal cette arme. Un bouclier par l'accès. Ils m'ont gavé. C'est bon, en avant. Le bouclier s'est baissé quand le dernier des Covenants est mort. Comme si quelqu'un voulait les empêcher d'entrer. Mais pas nous. Si Cortana se trouve vraiment sur cette planète, comment est-elle arrivée ici? Le vaisseau du Didacte est passé en sous-espace. Il aurait pu atterrir n'importe où. Toujours le même signal. On active la console? On dirait que c'est ce qu'on doit faire. Elle peut pas juste venir, Cortana, sérieux? Encore mission 7? Ouais. Téléportez-vous, mes enfants, que le pouvoir de Jérusalem. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. LOL. C'était lui, Fred, LOL. Ses compétences de guide laissent à désirer dernièrement. On a deux filles, deux mecs. C'est tout dire. C'est tout dire. C'est quoi ça? Ah, elle veut me faire stress. Ces mastodontes. Je me demandais, vous croyez qu'ils sont arrivés avec les Covenants? Ça paraît logique. Tous les vaisseaux pris dans la bulle de sous-espace ont dû être propulsés ici.
Ok, là c'est le vide. Ah ok, c'est bon. Ah, n'empêche, ils sont putain de trop stylés. Major, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Un mec par terre. Waouh. Bravo. Ceci est magique. Qu'est-ce qui a fait ça? Cortana. Elle est arrivée, elle lui a mis une gifle. Ah non, ok. S'il y en a 3 milliards par terre. Ah, c'est eux, ouais. Identifiez-vous. Je suis le Veilleur éternel. Je suis là pour protéger Cortana. C'est elle qui m'a appelé. Et tu es aussitôt accouru. Elle connaît ton nom oublié. Celui que tu portais avant de devenir un insecte. Ne trouves-tu pas étrange que ta fidèle compagne t'ait caché un secret d'une telle importance? Je veux voir Cortana. Oh, pas tout de suite. Approche. Nous avons encore à parler. Ok, ça paraît un peu chelou. Pourquoi elle se montre pas? Je baille et tout, putain. Ouais, voilà, pourquoi elle se montre pas? Tu as répondu à son appel. Elle, pourquoi? Que comptes-tu faire quand tu l'auras trouvé? Je sais pas, moi, à toi de me le dire. Dois-je commencer? Quand tu la verras, tu as l'intention de... Je vais la ramener. Si tu comprenais ce qu'elle est devenue, tu n'évoquerais pas un concept aussi puéril que celui de maison. Il bouge trop vite, lui. Je vais épargner à Cortana les affres de ton inéluctable trahison en t'éliminant sur le champ. Le manteau de responsabilité appartient à Cortana et aux autres entités. Je veillerai personnellement à ce qu'il reste à jamais hors de ta portée. Oh mais qu'est-ce qui casse les couilles lui? Ah là là. Le mec il va être chiant quoi.
Ok, bon. Moi, on va chier. Bon, je les tue tous parce que bon. Voilà. Alors. On va avancer. Ton temps est révolu, serviteur guerrier. Ah, c'est lui ? Inutile de résister. Elle vient de battre. Donne-moi 2-3 armes, mon petit, s'il te plaît. C'était sympa. Elle est partie ? Ah, elle est tout là-bas. Mais il est cheaté l'autre là-bas. Non mais allez sauver Linda, vous êtes sérieux là? Ouf, j'ai seulement mal. Bon, ça va? Allez, on va aller voir là-bas. Naki. Non mais il est sérieux lui? Tu veux une photo? Y'a souci? Grenade. C'est gratuit. T'es pas si fort l'ancien. Bah alors c'est cool pour toi. Le mec chiant quoi. Notre priorité est d'ailleurs. Bon. Ils sont tous morts. Allez Fred. Non mais... C'est bien Linda. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide ici. Vas-y, je suis pas quitté. Vas-y, il te reste pas beaucoup de temps qu'il arrive. Vas-y Fred. L'eau l'autre gros porc là. Va canner là. Je parle de toi. Tu crois qu'on a peur de toi? Moi et mes abonnés, on te respectera jamais. Qu'est-ce qu'il me fait là? Je le sens pas, je le sens pas. Mais c'est cru dans Naruto mon pote. Il en peut plus, je sais pas où il est. Concentrez tout sur ce chemin. Occupez-vous de lui. Là je suis mort beaucoup de fois, j'ai pas envie de remourir.
Il y a Linda par terre, vite. Vas-y, lève-toi, toi. Je suis con aussi, non? Il est où, lui? C'est bon, il y a Kelly maintenant. C'est qui? Allez, les gars. Non, il y a une grue. Non, je veux une grenade. Bon, elle était où, toi? Je viens de soulever, si t'es d'accord. Voilà, celui. C'est bon. Major, allô? Cortana. John, vous avez réussi. J'arrive pas à croire. Vous êtes là. On est où? Sur une planète Forerunner. Nom de code Genesis. Trêve de bavardage. Je vais avec elle. Ok. Le major a dit que vous étiez morte. Après ma dernière rencontre avec John, je suis passée en sous-espace. C'est là que j'ai pu accéder au domaine. Un système Forerunner qui englobe la galaxie connue. Toujours opérationnel? La frénésie. Le simple fait d'intégrer le domaine, cet endroit, ça m'a guéri. Comme une sorte d'élixir pour IA. On vous rejoint comment? En accédant à la passerelle. Le gros bâtiment bardé de lumière. Ah bah voilà. Cortana, pourquoi le d'ailleurs pense-t-il devoir vous protéger contre moi? C'est une longue histoire. Ce serait plus facile à expliquer en tête à tête. Je t'écoute. Le remède à la frénésie que j'ai découvert rend les IA immortels. Une telle longévité ouvre la porte à la planification mondiale. À l'image des Forerunners, les IA peuvent endosser le manteau de responsabilité. Et quand la paix régnera, nous pourrons nous concentrer sur la pauvreté, la faim, la maladie. Mais le Veilleur craint que certains refusent notre aide. Par exemple. Ça a l'air génial. Je ne vois vraiment pas pourquoi on refuserait votre aide. Le didacte a pourtant été clair. Le manteau de responsabilité implique la paix impériale. Quiconque sort du rang le paie au prix fort. Je le sens mal. Je vous expliquerai tout quand nous serons réunis. La passerelle est de l'autre côté de ces canyons. Le veilleur envoie des troupes pour vous arrêter. Vous pouvez prendre ces phaétons pour traverser le canyon, mais vous pouvez aussi y aller à pied par les sentiers. Ok, c'est parti. Les commandes de ces phaétons sont relativement intuitives. Pour des engins forts d'honneur. Rien de surmontable. Ah mais c'est stylé les gars, je parlais plus, je me concentre un petit peu. Ah ok, ils sont réussis à venir quand même. On va les aider. Oh c'est vraiment putain de stylé. Surtout je parle pas quand... Comment ça s'appelle quand... Genre il y a des chats ou quand Cortana elle parle, je trouve ça logique. C'est bon, ici c'est réglé. C'est quoi là derrière?
tombé dans le vide l'autre, non? Il est sérieux, Frédéric. J'aide surtout les unités en bas, surtout Cortana elle parle beaucoup, donc il y a beaucoup de chat dans ce jeu. Donc je parle pas beaucoup, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Allez, il faut qu'on le pète, là ça spawn pas, non? Bon, meurs toi s'il te plaît. Oh. Y'a pas d'autre chemin, on est d'accord. Dégoûté. Regardez ça, ça c'est pareil en ligne. Ouah. La voilà. Voilà, vous allez voir tous les ennemis qui vont spawn. J'en suis sûr, c'est ça. Cinématique. Ok, on est passé à une nouvelle mission, donc on en a terminé pour cette nouvelle vidéo qu'on vient juste de tourner. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un max de likes bien sûr. Donc la vidéo était plutôt cool, elle était même vraiment bien. Donc on se quitte là, ça fait 33 minutes de vidéo, elle est un peu plus courte que d'habitude. Tant mieux pour vous, tant mieux pour moi. Bon allez, bise, ciao ciao.